La fabrication constitue toujours la force motrice de la sagesse et du développement d'un pays. Fabriquée en Chine, est la marque la plus connue au monde. Des habits aux trains à grande vitesse, des puces aux satellites Beidou, chaque aspect de nos vies est aujourd'hui lié à la fabrication. La fabrication fait face à de plus en plus de défis durant cette ère de technologie. Nous vous emmenons visiter des lignes de production jamais découvertes pour être témoin de la transformation que la fabrication chinoise est en train de vivre. Elle a déjà commencé et aura certainement un impact profond et durable. Voici l'une des industries manufacturières les plus exigeantes en matière de sécurité dans le monde. L'usine est capable de produire le matériel principal nécessaire pour 6 centrales nucléaires chaque année. Et si elles étaient pleinement opérationnelles, elles pourraient réduire la combustion d'au moins 13,8 millions de tonnes de charbon par an. Dans un atelier spécial de l'usine, les composants les plus importants d'une centrale nucléaire sont en cours d'assemblage. Un tube métallique spécial est chargé dans un énorme évaporateur. L'énergie nucléaire est l'énergie produite par la fission nucléaire pour chauffer l'eau de dessalement dans le réacteur. Cette eau traverse ensuite une dense canalisation dans l'évaporateur afin de transférer la chaleur à l'eau de l'autre côté, qui une fois chauffée, se transforme en vapeur et génère de l'électricité par la turbine. Pendant cet échange de chaleur, le contact est absolument interdit entre l'eau avec le rayonnement nucléaire et l'eau qui entraîne la production d'énergie. Sinon, cela conduirait à une fuite de matière radioactive. Et ce sont des tubes en alliage à base de nickel qui doivent faire le travail. Ces tubes métalliques spéciaux ont une épaisseur de seulement 1,01 mm. Ils doivent avoir une résistance infaillible aux contraintes et à la corrosion dans un environnement radiant. Ils sont d'une importance cruciale dans les centrales nucléaires. Pour les assembler, les exigences concernant l'environnement d'installation sont inhabituellement sévères. Pour assurer la stabilité du tube en alliage à base de nickel, l'usine doit maintenir un air propre et une température constante pendant 24 heures. Afin d'améliorer l'efficacité de l'échange de chaleur dans l'évaporateur, ces tubes en alliage à base de nickel doivent être suffisamment minces et fins. 12 500 tubes d'alliage à base de nickel, d'une épaisseur de paroi de seulement 1,01 mm, totalisant plus de 300 km de long. Chaque tube est usiné avec précision et transporté un à un sur le site. Les travailleurs y pénètrent tous avec la plus haute précaution. Il faudra 50 jours de travail pour que tout soit terminé. À l'autre extrémité de l'évaporateur, le travail de deux techniciens est encore plus critique. Le tube en alliage de 13 mètres de long traverse l'évaporateur et ses deux extrémités coïncident avec les trous réservés ici, ce qui en fait la seule interface où le tube en U entre en contact avec le monde extérieur. La tâche des ouvriers est de souder les deux extrémités des tubes en alliage de la plaque d'extrémité et la qualité de la soudure détermine directement si l'interface va fuir ou non. Chaque processus est strictement contrôlé et même le temps de soudure est calculé avec précision. 80 secondes par soudure, aucune erreur n'est permise. À l'avenir, davantage d'unités nucléaires seront mises en service.
Entre-temps, une série de nouveaux projets énergétiques sont en cours de construction, ce qui transforme la donne de l'approvisionnement en énergie en Chine. Ce changement se produit également sur la route. En seulement 30 ans, la Chine est rapidement devenue le plus grand producteur et consommateur d'automobiles au monde. Cependant, un grand nombre de voitures causent également des problèmes de consommation d'énergie et de pollution. Et cette situation est en train de changer. Cette ligne d'assemblage ne semble pas être différente des autres lignes de production automobile. Mais elle est complètement différente, dans le sens où elle produit un nouveau type de voiture qui repose sur des moteurs purement électriques. La fabrication de véhicules à nouvelle énergie modifie le concept traditionnel de la fabrication automobile. Avec des composants hautement intégrés, la modularité est devenue une tendance. S'appuyant sur son leadership mondial dans la technologie des batteries, la société a déplacé l'accent de la fabrication automobile vers les nouvelles énergies. En tant que fournisseur majeur de bus électriques, elle fournit des véhicules à énergie nouvelle dans plus de 200 villes de 48 pays. Tout comme les batteries, un autre composant de base des véhicules à énergie propre devient également un champ de bataille pour les fabricants du monde entier. Docteur Tsai Wei sait que c'est une opportunité pour les voitures chinoises. Aujourd'hui, lui et ses ingénieurs testent sur la route la performance des moteurs électriques qu'ils ont développés eux-mêmes. Dans le centre d'expérimentation électrique de Beijing, Dr Tsai Wei organise une expérimentation. Le système électrique, développé par l'équipe de recherche et développement, sera immergé dans la piscine pour tester son étanchéité. Cette expérimentation est essentielle pour la sécurité des véhicules électriques. Quatorze années d'expérience à l'étranger en recherche et développement sur le moteur électrique ont fait de Dr Tsai Wei un homme influent dans l'industrie mondiale de l'automobile électrique. Maintenant, le moteur électrique développé par Dr Tsai est incorporé dans la liste des achats des plus grands constructeurs automobiles du monde. À Shanghai, l'usine de Dr Tsai Wei accélère la production d'une nouvelle génération de moteurs. Cette ligne de production entièrement automatisée produit toutes les 3 minutes un moteur sans aucun travailleur sur la ligne d'assemblage. Traditionnellement, la production de moteurs est principalement faite par main.
或者是半自动化的生产，而我们做了这条自主开发的生产线呢，我们叫黑灯工厂，关了灯照样可以生产，那么这样就解决了一些产品不一致的问题，使得我们生产的万台甚至十万台的产品是完全一致的。 Une plus grande ligne d'automatisation est en construction. Et à l'avenir, elle augmentera encore plusieurs fois la capacité de cette usine. L'objectif futur de la Chine est d'éliminer progressivement les ventes de véhicules avec moteur à combustion. C'est une opportunité et un défi pour le véhicule à énergie propre, non seulement pour le processus de production, mais aussi pour l'idée fondamentale. Au cours des 20 ans de développement rapide de l'industrie manufacturière en Chine, les coûts de main-d'œuvre et les prix des produits bas ont donné un fort avantage concurrentiel aux produits chinois sur le marché mondial. Mais maintenant, l'industrie manufacturière mondiale est en pleine transformation et modernisation. À l'avenir, dans le secteur manufacturier, les travailleurs vont progressivement quitter la simple duplication du travail, ce qui nous aide à compléter cette transformation, c'est la clé venant d'eux, les robots. Shenyang, Chine, le monde des robots. Différents types de robots sont en cours de développement et ils seront installés sur la ligne de production future pour entreprendre un travail important. L'industrie chinoise des robots connaît une croissance annuelle de 20%. Et le modèle de fabrication traditionnel est progressivement remplacé par les nouvelles technologies. Une ligne de production est en cours de débogage. Son travail consiste à utiliser des robots pour produire des robots. Le robot autotest sélectionne sur l'étagère des pièces, bouge le chariot à travers le AGV, le véhicule automatique guidé, et transporte les pièces à l'endroit spécifique de la ligne de production. Ses bras robotisés saisissent automatiquement et font l'assemblage des composants. La ligne entière peut effectuer l'assemblage de différents modèles de bras robotisés, sans erreur. Le développement rapide de l'industrie du robot donne naissance à davantage de types de robots. À Shanghai, les ingénieurs développent des robots de la prochaine génération. Ifan veut mener son équipe à tester les limites de flexibilité du robot nouvellement développé. Ils vont lui faire réaliser un travail de sculpture fine sur des œufs crus. L'épaisseur de la coquille d'œuf est de seulement 0,3 mm et la surface de chaque œuf est différente. Il faut faire tourner à grande vitesse l'outil sur les surfaces irrégulières pour graver des motifs sans percer la coquille d'œuf. Le bras du robot doit avoir un contrôle précis de l'intensité et une bonne perception des espaces complexes. La clé de l'achèvement de ce travail complexe est ce robot à 7 axes. Différent des robots traditionnels, ces 7 axes de rotation contrôlés intelligemment
maximise les dimensions de travail du bras du robot. Chaque dimension supplémentaire apportera plus d'espace pour le mouvement. Une nouvelle ère de fabrication approche rapidement. Monsieur Li se prépare à démarrer sa voiture. Ce véhicule rouge traversera les routes interprovinciales aujourd'hui. Et la cargaison à bord est un liquide chimique très dangereux, dont Monsieur Li doit assurer la livraison à tout prix à la destination. Il est accompagné d'un terminal de navigation Beidou dans la voiture. Au centre de contrôle de sécurité, un autre groupe de personnes surveille également de près la voiture. Avec l'aide de la navigation Beidou, la Chine a intégré le transport des marchandises dangereuses dans l'ensemble du système de surveillance. À l'ère de l'informatisation avancée, obtenir un positionnement précis est la prémisse et la clé pour obtenir des services précis. Des terminaux innombrables dans le monde profitent des services de navigation fournis par la navigation satellitaire. La Chine est également en train d'entreprendre un projet massif. Il faut 20 ans pour construire un énorme système de navigation Beidou avec 35 satellites. Le 23e satellite Beidou passe les derniers essais pré-lancement. Le satellite est poussé lentement dans le réservoir sous vide à chaud et il passe un test de changement de température de 210 degrés à moins de 180 degrés dans un environnement quasiment vide. Dans le futur, il fera seul son voyage à 20 000 km d'altitude. L'environnement ultime de l'univers sera le test le plus rigoureux pour chacun de ses composants. Potentiel des satellites Beidou est constamment élargi. Dans un proche avenir, peu importe où vous vivrez, que ce soit le jour ou la nuit, tant que vous verrez le ciel, les satellites à 20 000 km au-dessus de vous pourront toujours vous aider à trouver la direction. À 22h, John Zumi, conducteur de train, apparaît à l'heure. Sa tâche d'aujourd'hui est de tester un nouveau train à grande vitesse. Dans 2 heures, il effectuera un test complet en orbite.
différent des autres trains à grande vitesse, il s'agit d'une nouvelle série de trains à grande vitesse, appelée Fuxing, le renouveau. Monsieur Zhang accélère le train à 350 km/h pour tester le fonctionnement de l'ensemble du système du train. Trente ingénieurs de test sont aussi occupés. Quarante-cinq jours plus tard, le train à grande vitesse chinois entre dans une nouvelle ère. Ce train Fuxing peut rouler à 350 km/h et sera le train le plus rapide au monde. Sa vitesse de 350 km/h réduira la durée de voyage de Shanghai à Pékin à 4h30 et l'économie de train à grande vitesse sera amplifiée. La Chine ouvrira une nouvelle ère de la grande vitesse. À 1500 km, Changchun, au nord-est de la Chine, est le berceau de l'industrie lourde chinoise. Une toute nouvelle usine a été mise en service. Le premier lot de Fuxing est en cours de montage. Il est plus large, plus haut et plus long que la génération précédente de trains à grande vitesse. Mais sa consommation d'énergie est réduite de 15%. Ce train utilisera les nouvelles normes de fabrication chinoises. Les trains de même modèle, de différents fabricants, peuvent être connectés les uns aux autres et même de nombreuses pièces détachées peuvent être interchangeables. Cette conception a beaucoup réduit le coût d'exploitation. Tard, à minuit, les travailleurs ont commencé à installer la locomotive numéro 5010 et le bogie de châssis. C'est l'étape finale de l'assemblage. Le bogie de châssis est le composant le plus important des trains à grande vitesse, transportant le corps et la puissance de sortie. Les ingénieurs ont donné à ce bogie un nouveau dessin, avec 10 140 kW de puissance de sortie. Il a subi des tests sur 600 000 km de trajet durant 3 ans et 12 millions de tests de fatigue. L'installation du bogie est sur le point de commencer. Le bogie a été facilement poussé par deux travailleurs au-dessous de la locomotive. Dans l'installation du bogie sur le corps du train, les quatre broches de positionnement sont essentielles. Les travailleurs les relient prudemment avec les trous de positionnement du corps de train. À 1h du matin, tout le travail d'installation a été finalisé avec succès. Cette locomotive voyagera entre les villes chinoises. Dans un proche avenir, à une vitesse de 350 km par heure. La Chine possède l'environnement naturel le plus compliqué au monde, où il fait extrêmement froid, ou extrêmement chaud, ou extrêmement sableux, et il est nécessaire de fournir plus de solutions pour s'adapter aux différentes régions. Le train à grande vitesse chinois est né dans cet environnement. Il représente 60% du kilométrage mondial de fonctionnement avec une distance parcourue totale de 5 milliards de kilomètres et un nombre de passagers de plus de 7 milliards. Il est plus efficace avec un plus long cycle de vie et plus économe en énergie. Le train à grande vitesse chinois commence à devenir le nouveau standard des trains à grande vitesse du monde. Revenons à l'industrie manufacturière chinoise la plus traditionnelle. Rien ne semble différent. Les travailleurs qualifiés,
des tissus exquis et des équipements mécaniques traditionnels. Mais en fait, la fabrication ici est complètement différente. Liu Yili, qui est arrivé il y a 2 ans d'une entreprise du classement Fortune 500, adore désormais l'industrie manufacturière, la fabrication la plus traditionnelle. Il y a 400 ans, les êtres humains ont inventé les machines textiles et l'automatisation a rapidement réduit le coût et accru l'efficacité. La civilisation industrielle a ainsi commencé. Ford a ensuite inventé la ligne de production, de sorte que les produits peuvent être fabriqués en copie rapidement en milliers d'exemplaires. Le coût et la difficulté de fabrication ont ainsi été réduits à nouveau. Mais malheureusement, les produits sont devenus stéréotypés. Maintenant, la ligne de production est en train de changer tranquillement dans cette société. Et elle produit des vêtements complètement différents les uns des autres. Ce qui motive le changement, ce sont des milliers de données que vous ne pouvez pas voir avec vos propres yeux. Chaque commande entre dans le système informatique via le réseau et génère un code de message distinct. Et ce code guide les travailleurs dans le processus de production. Plus de 300 processus de production sont les mêmes, mais les matériaux et les méthodes utilisées dans le processus sont complètement différents. Et le codage peut indiquer précisément aux opérateurs comment opérer. Les vêtements sont produits comme avant sur la ligne de production, mais avec le réseau et les données accumulées en 10 ans et plus, cette entreprise ne produit plus de vêtements en masse. Et elle peut satisfaire 99,9% des commandes sur mesure personnalisées par les consommateurs du monde. Le cycle de production de chaque vêtement ne prend qu'une semaine, alors qu'il n'y a pas d'inventaire. Ce n'est plus la ligne de production d'origine. De nouvelles méthodes de fabrication arrivent et de plus en plus d'appareils sont connectés à Internet. Cela rend la fabrication de plus en plus différente. Maintenant, la fabrication en Chine est en pleine mutation. De haute vitesse à haute qualité, de la transformation à l'auto-innovation, de la simple répétition à la fabrication intelligente, ces changements profiteront au monde et également réinterpréteront le sens du fabriquer en Chine.